Le 17 juillet 1940, ma petite, j'ai envoyé aujourd'hui tes chaussons. En ce qui me concerne, je n'ai à nouveau pas grand-chose à raconter. Cela va continuer ainsi, plusieurs semaines, sinon des mois. Mais une chose est sûre, nous serons rentrer à la maison avant la fin de l'année. Tu dois penser qu'il est grand temps. La nourriture est sûrement de bonne qualité, mais malgré tout, on se paye de temps en temps une livre de beurre au prix exorbitant de 30 pfennigs ou quelques œufs, 6 œufs pour 15 pfennigs ou encore une côtelette pour 12 pfennigs. En dehors de ça, on ne peut rien acheter. L'agriculture et même le bétail sont dans un sale état. De toute façon, ça n'a vraiment rien à voir avec l'Allemagne ici. Le peuple est paresseux et en grande partie crasseux. Les gens mendient pour avoir des bonbons ou des cigarettes. Sur le plan moral aussi, la population est assez pervertie. Du moins là où nous sommes. D'après ce que j'ai entendu, ce n'est pas mieux ailleurs. On s'était quand même fait une autre idée de la grande nation. Comme quoi une guerre gagnée peut bien vous pourrir un peuple. Au moins, nous avons trouvé maintenant une femme propre, selon les critères allemands, pour laver notre linge. Helmut. Oh, mais poussez pas, hein. Excusez-moi, monsieur, ça fait longtemps que vous attendez. Faut pas gêner la petite bourgeoise, là. Ouais, une bonne heure, chère madame. Oh non, mais c'est pas possible, on va quand même pas attendre là toute la journée, non? Bah, c'est comme d'habitude. Je vous en prie, chère madame, prenez ma place. Oh, merci. Oh non, mais regardez-la, celle-là, elle passe devant tout le monde. Non, mais c'est pas possible, quoi, c'est pas ça. J'espère que vous n'avez pas oublié votre carte d'alimentation. Non, je ne l'ai pas oubliée. J'ai d'ailleurs une carte de priorité de famille nombreuse. Ah, bah oui, c'est pour Il y a deux gamines, elles n'ont pas mangé depuis deux jours, là. Ben, c'est l'occupation avec tout son autre privation. Sachez que c'est compliqué pour tout le monde. On s'en est rendu compte. C'est justement. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on attend, là? Vous avez zioté la vitrine du boucher Calais? Il n'y a plus rien. Les Boches, ils nous ont tout pris avec la réquisition. Et Vichy nous affame. Ah, il est certain qu'en limitant le rationnement à 250 grammes de viande par personne et par semaine, depuis le printemps 41, le service du ravitaillement général ne nous aide pas. On va tous crever de faim. Hein. Vous avez vu les prix, c'est beaucoup trop cher pour nos petits salaires. Et tout ça pour de la viande avariée. Oh, vous avez raison, c'est même toute la nourriture qui est devenue mauvaise. Le pain est noir, le fromage est dépourvu de matière grasse, le sucre est remplacé par de la saccharine et le café par de l'orge grillée. C'est dégueulasse. Mais on va pas se laisser faire. Hein. Tiens, l'autre jour... Et si, en novembre 41, les ouvriers de la sucrerie de Brinon, ils ont fait grève pour une augmentation de leur ration de pain. Mais la grève, il n'y a que ça qui marche. Ben alors Mais sachez, chère madame, que le préfet Bourgeois est intervenu pour dénouer la crise. Bon, je t'en donnerai, moi, des chères madames, je suis pas de la haute, moi. Et finalement, on s'y fait, hein. C'est comme pour les chaussures. Le gouvernement nous recommande de découper des lanières dans les chaussures et de les poser sur des semelles de bois. Voilà. Des sandales à l'usine, hein. Et l'autre embusqué, là. Qui donc, chère madame? Le sous-préf, Leré, qui s'appelle. Enfin, ça m'étonnerait qu'il mette des sandales quand il va voir Pétain et toute sa clique. Voilà ce qu'il... Il déclamait hier, tiens, dans le monde canard, que la population ne comprenne pas qu'il est nécessaire de renoncer aux chaussures de cuir pour les sandales à semelles de bois. L'embusqué! Je comprends votre colère, mais l'occupation est une période difficile.
Une chose est certaine, si le gouvernement veut que les Français travaillent avec courage, il va falloir les aider à rester honnêtes. Vous parlez du marché noir ? Mais bien sûr que monsieur parle du marché noir. Peut-être même qu'il pratique, hein. Ouais, en tout cas, je peux vous dire que dans la campagne, il manque pas de nourriture. Tiens, l'autre jour, les Fridolins, ils ont perquisitionné une ferme à Saint-Cyr-les-Colons. Ouais, parce que le propriétaire aurait hébergé des résistants. Enfin, des terroristes, comme ils disent. Et alors ? Et alors ? Eh ben, ils ont réquisitionné 12 kilos de beurre, 20 litres d'huile, 6 jambons et plusieurs kilos de lard. Rien que ça ! Eh ben, chère madame, voilà un fermier qui ne manquait pas de corps gras. Voilà la Méline avec sa jument noisette. Elle a peut-être quelque chose à nous vendre. Hein. Oh oui, et puis chez elle, ça va pas être cher. Par ici, Méline. Chère madame, oui, que me vaut l'honneur de cette visite impromptue? Nous sommes à la recherche de réfractaires, monsieur. De réfractaires? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je veux parler d'hommes, en général très jeunes, qui veulent échapper au STO. Le STO ? Le service du travail obligatoire. Mais assez perdu de temps. Soldaten, durchsuchen Sie das Haus ! Personne n'entre dans ma maison sans ma permission. Personne ! Eugénie, tu devrais ouvrir à monsieur l'officier là. Madame, je remarque que votre époux est de bons conseils. Décidément, vous les Françaises, vous n'en faites qu'à votre tête. C'est risqué de désobéir à un ordre d'un officier du Reich. Je ne le répéterai pas. Bien. Je crois que vous avez compris. Feldgendarme, gehen Sie in. Mais Alcide! Tu les défends, là ? Mais non ! Chut ! Je vois un génie, il pourrait nous entendre. Non. Oui, t'as raison. Je m'emporte. Ah, justement, monsieur l'officier. Nous avons inspecté votre charmante demeure. Inspecté ? Vous l'avez complètement chamboulé, oui. C'est un supplice, ne recommence pas. Champoulé. Je ne connais pas cette expression. Il n'empêche que votre demeure est agréable. Dommage que nous occupions le château Azamble à Senan. Et son annexe, située à... Comment dites-vous déjà ? À Chailleuse. Oui. C'est ça, Chailleuse. J'aurais bien aimé réquisitionner votre demeure, car n'oubliez jamais qu'en France, l'armée allemande est souveraine. Hitler!
Malheureusement, oui. C'est de ma faute si on vidange trop au milieu des rats là, hein? Puis comment veux-tu que je me lave si au moins on avait un point d'eau accessible? Non mais c'est pas fini, moi aussi malgré. Je vous rappelle qu'on a une lutte à mener, hein? La guerre, c'est pas un jeu, c'est du sérieux. Et puis on va finir par se faire repérer. Avance, avance. Là, toi, t'es pas de notre groupe. Non, je suis pas de votre groupe. Et si je l'étais, ça se passerait pas comme ça. Mais pour qui tu te prends? Laisse tomber, Dédé. Bon, on va faire les présentations. Moi, c'est André. On m'appelle Gros Pouce. Je suis le chef de ce maquis. De ce maquis? C'est la première fois que je vois des maquisards installés dans une grange. D'habitude, c'est plutôt dans les bois. Eh ben là, on débute. Ça fait quelques semaines qu'on est dans cette grange. Quand on sera plus nombreux, eh ben on lèvera le camp. Bonjour. Dans les bois. Je comprends. Mais en attendant, prudence. Prudence, camarade. Et t'es qui, toi, pour donner des conseils? Qui nous dit que t'es des nôtres? Croyez-moi, je commence à avoir une certaine expérience dans l'implantation des maquis. Comme en forêt d'hôtes, par exemple. C'est forêt d'hôtes. Ah, laisse tomber, Charles. On t'écoute. La règle dans la résistance, c'est la discipline. On n'est pas à l'armée. Discipline et prudence. Pour ça, vous devriez installer des postes de surveillance pour sécuriser votre maquis. Bah ouais, les gars, il faut organiser des tours de garde. Et puis éviter de faire du bruit comme si vous étiez 50 alors que vous êtes à peine 10. On vous entend à 500 mètres. Imaginez, si l'ennemi décidait de ratisser le secteur. Par contre, je vois que toi vous avez ce qu'il faut. Eh ben, faut pas se gêner. La stène est maniable, hein. Faut juste savoir s'en servir. Elle provient d'un stock parachuté en septembre 43. Ouais, au hameau de la Tuilerie, route de Volgré. C'est à côté de la ferme des Trottiers. Je connais pas. Ah, je croyais que t'étais du secteur. Tiens, dans deux jours, on va en avoir d'autres. Un parachutage est annoncé à Malicorne, près de Charny. Mmh. On attend juste la confirmation par un message radio. T'es tout fier de me dire ça, alors qu'on se connaît à peine. Prudence, camarade, prudence. Ouais, t'as raison. Gros Pouce, enfin Dédé, il nous a dit ça pour nous motiver. Ouais. Ça, on veut bien passer à l'action. C'est vrai, quand on s'emmerde à tourner en rond dans cette grange. Bah, je comprends, mais patience. Patience, c'est là le piège. Quoi? La patience, qui mène aux imprudences. Bon, puisqu'on en est au stade des confidences, c'est quoi le nom de votre organisation? Jean-Marie Buckmaster. Ah. Certains l'appellent Jean-Marie Action. Bon, je dois dire que je m'y perds un peu, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il s'agit d'un réseau anglais qui organise les parachutages. J'en ai entendu parler. Mm-hmm. J'ai connu votre chef local, c'est Argou, non? Le vétérinaire d'Ayon-sur-Thelon. Je sais qu'il a réceptionné un parachutage près de Chassy. D'ailleurs, mon groupe a pu récupérer une partie du matériel. Et toi, c'est quoi le nom de ton organisation? Les FTP. Tu connais? Les francs-tireurs et partisans. C'est pas les cocos? Et ton blaze? C'est quoi ton blaze? Je vous ai recommandé la prudence, non? Enfin, vous m'avez forcé de l'être. C'est pourquoi je vous dirai pas mon nom. Ça te servira à quoi de connaître mon blaze, comme tu dis, là? Qui nous dit que t'es pas un collabo? Arrête, Charles. Bah, je comprends que tu veuilles pas dire ton nom, mais moi, je sais que mon chef aimerait bien le savoir. Je vais devoir lui faire un compte-rendu sur ta visite. Je suis pas sûr qu'il apprécie les FTP. Mais t'inquiète,
qu'on aura libéré le pays, j'espère qu'on pourra faire plus ample connaissance. Et peut-être même que je pourrais t'entretenir d'autres combats, disons, plus politiques. Allez, les gars, faut que j'y aille. Bonne chance. Merci. Bonne chance. Bonne chance. Merci, toi aussi. Bonne chance. Merci. Et souvenez-vous, discipline, discipline et prudence. Sont les règles en résistance. Voilà. T'as vu? J'ai retenu tes conseils. Le FTP qui dit pas son nom. Charles. Scheiße. Chers parents, chers frères et sœurs, mardi le 6 juin, il y a eu une attaque sans précédent, une attaque inimaginable, du jamais vu, même en Russie. À 1h30, on a sonné l'alarme. Nous avons été bombardés par les Américains aux deux embouchures de la rivière, sur notre droite et sur notre gauche. Nous attendions, angoissés et vigilants, près de nos armes. À l'aube, vers 4 heures, nous avons commencé à deviner la silhouette des premiers gros navires ennemis. À peine les distinguions-nous que, déjà, des éclairs jaillissaient de leurs canons à une cadence infernale. Bientôt, les premiers obus s'abattirent sur nous dans un vacarme épouvantable. De leur côté, les bombes larguées par les avions n'arrêtaient pas de siffler. Il n'y eut bientôt plus un mètre carré de sol qui ne soit touché par les bombes ou par les obus. En moins de 5 minutes, la maison où nous logions était en flammes. J'étais avec ma mitrailleuse dans un abri à 40 mètres de là. L'abri a d'abord tenu le coup, puis a été rapidement détruit lorsque les premières péniches de débarquement ont accosté sur les plages. Le manteau de la mitrailleuse a tout de suite été transpercé par des coups au but. Ensuite, j'ai encore reçu des obus de 7,5 cm et des grenades, si bien que les parois se sont à moitié effondrées. J'ai réussi à grand-peine à me dégager des gravats et je me suis réfugié dans le boyau de communication. Mon arme était restée dans l'abri. J'y étais à peine retourné que ce dernier fut touché de plein fouet. Je me suis retrouvé à nouveau sous les décombres. J'ai pu quand même m'en extraire tout seul. J'avais un gros éclat d'obus à quelques centimètres de la tête. Et puis, la boucherie a commencé. Avec la marée, la mer s'était retirée de 250 mètres. Beaucoup de péniches de débarquement avaient déjà été détruites par nos armes lourdes. Mais beaucoup d'autres s'échouaient sur le rivage. Les Américains devaient alors parcourir 250 mètres de plage à découvert, ce qui leur était fatal. Le miracle, c'est que personne de notre unité n'avait été tué ou blessé par les bombes et par les obus. Nous étions bien décidé à le faire savoir aux Américains. Malgré le feu nourri des canons doubles et quadruples des barges, on tirait sur tout ce qui bougeait.
La plage fut bientôt recouverte de corps de soldats américains. Bien peu parvinrent au mur de gravier à couvert. Parmi ceux qui restaient allongés, certains étaient encore indemnes, mais la marée les obligea à ramper vers le haut de la plage. Nous les avons à nouveau pris sous le feu de nos armes. Et derrière le mur de gravier, il y avait encore le feu nourri de nos lances-grenades. Malgré les pertes sévères qui les touchaient, ils continuaient leur progression, ce qui ne manquait pas de nous étonner. Vers midi, les Américains ont percé nos lignes sur notre gauche. C'est là que nous avons eu nos premiers blessés, sans que leurs blessures soient trop graves. Tous étaient encore capables de marcher vers l'arrière. J'ai été blessé par un tireur ennemi vers 15 heures. Il était à 25 mètres de moi dans une tranchée. Je ne l'avais pas remarqué. Sinon, il ne m'aurait pas atteint. J'ai tout de suite rejoint la compagnie. De là, j'ai été évacué vers l'arrière avec d'autres camarades. Maintenant, je suis à 120 km de la côte. Devant nos positions sur les plages, nous avons laissé environ 2000 à 2500 assaillants morts ou blessés. 15 à 20 chars détruits. Un gros bateau porte-char et 20 péniches de débarquement hors service. Chacun d'entre nous a fait tout son possible pour contrer l'incroyable supériorité numérique des Américains. J'ai dû tirer plus de 400 rafales, dont 300 à balles traçantes. La distance de 100 à 250 mètres qui nous séparait des assaillants nous était favorable. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Votre fils. Votre frère qui vous aime. Franz. Les Alliés ont débarqué en Normandie. On va leur faire payer aux Boches et aux collabos toutes ces années d'occupation. La libération est en marche. Ouais, tout doux, Dédé, tout doux. Mais l'ennemi est toujours présent. On doit redoubler de prudence. Alors, contentons-nous pour l'instant de structurer notre maquis. Pour les attaques, on verra plus tard. Ouais. Eh, t'entends pas? On dirait un vélo. Tiens, mais regarde qui v'là, celui qui dit pas son nom. Ah oui, il est pas tout seul, on dirait. Je dirais même qu'il est joliment accompagné. Pas mal la tête poulette. Je crois qu'ils sont ensemble. Mais tu changeras pas, Dédé. Hein. Je crois qu'on n'a pas autre chose à penser. Bon, ceci dit, sa tête me dit quelque chose. À qui, à la poulette? Mais non, au responsable FTP, je suis sûr de l'avoir rencontré quelque part. Bah oui, à la grange. Mais de Dieu, mais t'es fatigant, pas à la grange, avant la guerre. Oh. Salut les gars. Salut. Quel bon vent vous amène. Le moment de la résistance. Justement, vous avez appris pour le débarquement? Un peu, Conseil. La libération est en marche. Ouais. On va chasser les Boches et les collabos. Doucement, Dédé. L'ennemi est toujours présent, je te rappelle. Mon chef a raison. L'ennemi est toujours là et je peux te dire qu'il est prêt à combattre. Et mieux que toi. Si j'en juge la dernière fois où je t'ai vu dans la grange. Tu lui auras donné des leçons celui-là. Hein. Ah non, je te taquine. Mais t'as pas tout à fait tort. La preuve, c'est que nous, les FTP, on est prêts à passer à l'action. Le parti. Le parti communiste, tu veux dire? Oui. Exactement, lui-même. Donc je vous disais que notre état-major FTP a décidé
d'organiser des libérations anticipées dans les villages, pour marquer les esprits. Mais c'est pas un peu risqué, ça, comme stratégie? Je dirais même aventureux, pour pas dire irresponsable. Tu viens juste de dire que les Boches étaient encore bien présents. Toi, moi, pour ne rien te cacher, je t'avoue que je suis un petit peu réservé sur la mise en place d'une telle stratégie. Bonjour, la démocratie populaire. Qu'est-ce que tu connais, toi, en démocratie populaire? À ce que je sache, t'appartiens bien à une organisation qu'on qualifie encore il y a peu d'impérialiste et de capitaliste. Du calme, les gars. Vous allez pas vous battre pour de la politique. Je vous rappelle, ce sont les nazis, les ennemis. Ainsi que Pétain et sa clique. Sauf erreur, on est tous dans le même camp. Celui de la résistance et de la démocratie. Bien dit, ma petite poulette. Premio, moi, c'est Colette. Deuxio, je suis pas ta petite poulette. Tertio, je serai ta petite poulette quand les poules auront des dents. C'est qu'elle a de la répartie, la petite poulette. Oh, Dédé. Bref, risqué ou pas, notre état-major a acté la stratégie du parti. On a prévu de libérer la forêt d'Hôte et Guerchy. Ah, tiens, tiens. Et pourquoi, Guerchy? Faut bien commencer quelque part. Tu parles, ouais. Qu'est-ce que tu sous-entends, là? Mais que Guerchy ne t'est pas étranger, bien au contraire. Je vais te dire un secret, je devrais pas, mais je connais bien ce village. En 39, avant la guerre, on y surveillait les militants communistes. Tu veux pas plutôt dire traquer? Bah, faut comprendre, c'était juste après le pacte germano-soviétique. Les communistes étaient devenus des ennemis. Daladier avait donné des ordres. Il a bon dos, le Daladier, le munichois héros du Bourget. Et toujours est-il que je me rappelle très bien d'une réunion à Guerchy, animée par un drôle de coco, hein, qui parlait un peu comme toi, là. Qui parlait un peu comme moi. Ouais, fais pas le couillon, t'as très bien compris. Et il parlait d'impérialisme et d'ennemis capitalistes. Ah, ben dis donc. Et il s'appelait comment, ton gars? Houchaud, qui s'appelait. Je connais pas. C'est bizarre, ça. Parce que plus je te regarde, plus je me dis que tu ressembles foutrement au gars qui l'accompagnait à l'époque. Bon, sans la moustache et les lunettes. Tu m'en diras tant. Ça me revient, tiens. Lofroy qui s'appelait. Robert Lofroy. T'es Robert Lofroy. Bon, les gars, on va pas rester ici à papoter en se rappelant nos souvenirs d'avant-guerre. Surtout lorsqu'ils sont peu glorieux. Manquerait plus que les Boches arrivent. Ouais. Bon. Vous avez raison, Colette. Faudrait qu'on file. Messieurs. Bon, avant que tu partes, Lofroy, faut que tu saches un truc. Que je sache quoi? Bah, qu'on te doit une fière chandelle. Parce que depuis ton passage en mai dernier, notre maquis a bien changé. Maintenant, on est installé dans les bois. Je veux rien savoir d'autre. C'est plus fort que toi. Ton maquis a peut-être changé, mais pas toi. Tu parles toujours autant. Prudence, camarade. Prudence. J'ai une terrible nouvelle à t'annoncer. Comment ça, terrible? Il s'agit de Marcel. Marcel? Marcel Bonhomme? Oui. Et il vient d'être arrêté à Auxerre. Comment ça, arrêté? C'est pas possible. Si, malheureusement. C'est Quenotte qui l'a arrêté. Quenotte? Oui, Quenotte, le responsable du parti franciste et agent de la Gestapo. Ça me fiche un coup, tu sais, Jean-Louis. C'est bête, mais je me sens responsable. Comment ça? Bah, comme tu sais, Marcel, c'est un copain d'enfance. Tu te rends compte? On s'est connus sur les bancs de l'école à Saint-Joseph. Faut dire qu'on s'est perdu de vue depuis qu'il bossait chez Félix Potin, rue du Temple à Auxerre. Faut dire qu'il avait pris un autre chemin. On peut dire qu'il s'était égaré. Ah, et puis on s'est revu au prochain dernier. Et là, je me suis dit qu'on pouvait compter sur lui. Il était d'accord. C'était il y a à peine un mois. Et là, tu me dis qu'il a été arrêté, emprisonné à Auxerre. Tu te rends compte? Je comprends, François, je comprends. Mais qu'est-ce que tu veux? Faut pas culpabiliser. C'est la guerre. Ah, t'as peut-être raison.
Mais n'empêche que si je l'avais pas croisé... Mais arrête donc, François. Moi, je dis que t'as très bien fait de le croiser. N'oublie pas qu'il nous a rendu un fier service en nous donnant des informations précieuses l'autre jour. T'as pas tort, mais n'empêche... Il nous a rencardés hein, sur la rafle du 9 juin à Tizouaï. Et ça, c'était un précieux renseignement, ce qui a permis au groupe Manoury de mettre les armes à l'abri, comme ça les cheveux n'ont rien trouvé. C'est pour ça qu'ils ont brûlé la grange du Père Viel. Ouais. Je sais tout ça. Je sais aussi que Georges ne s'était pas enfui. Et pour ça, il n'a pas... Il a évité les représailles. Oui. Oui, mais bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est tout à son honneur. Et c'est pour ça qu'il faut réorganiser notre groupe. Hein. L'arrestation de Marcel est un sérieux coup. Peut-être que c'est pas pour rien qu'il a été arrêté. Comment ça? Tu veux dire que les collabos ont compris qu'il y avait une fuite, que c'est Marcel qui les avait renseignés? C'est possible. En tout cas, moi, je ne crois pas au hasard. Et comme je crois que le chef de la Gestapo... Me parle pas de ce SS, hein. Un salopard, hein. Il paraît qu'il s'appelle le docteur Tupa. Oui, ben justement, je pense, j'ai bien peur que Haas ne tarde pas à s'occuper de Marcel. C'est pour ça qu'il faut réorganiser notre groupe. L'arrestation de Marcel est un sérieux coup. C'est un gros risque. Il ne parlera pas, je te dis, il ne parlera pas. Eh oui, mais peut-être qu'il ne parlera pas. En tout cas, tu connais la procédure. En cas d'arrestation, la réorganisation s'impose. Peut-être qu'à l'heure qu'il est... Les chelous ont déjà investi Villiers. C'est vrai que depuis le débarquement, les boches sont en alerte. C'est pour ça qu'il faut se réorganiser. Bon, écoute, tu passes le message aux gars. Tu leur dis que la boîte aux lettres du café au Bon Coin grillée. Maintenant, tu leur donnes rendez-vous au PC des Courlis. Et surtout, tu restes prudent. Sois prudent. Oui, continue-moi. C'est bien, chère petite Christiane, qu'avec cette guerre, le service passe avant tout. D'ailleurs, les événements ne m'ont pas permis d'avoir quelques loisirs, de me retremper un peu de notre amour. Toutefois, reste bien certaine que pour moi, tu es l'être le plus cher au monde et que jamais je ne t'oublierai. Les heures que nous avons passées ensemble restent à jamais gravées en mon cœur. J'espère que toi, ma chère petite Christiane, tu ne m'oublieras pas. Je ne puis te donner d'adresse précise, aussi tu voudras bien écrire, sitôt que tu le pourras, chez maman. Tu as déjà l'adresse que je t'ai donnée précédemment. Maman me fera suivre le courrier où je serai. Tu dois savoir, ma chère petite Christiane, qu'une lettre de toi pourrait me faire plaisir. Aussi, j'espère que tu ne feras pas trop attendre, car en ce moment, je broie du noir. Et recevoir de tes nouvelles serait mon meilleur dérivatif. D'ailleurs, il reste entendu que la guerre finie, je pense, si aucun incident ou accident ne survient d'ici de ce temps,
revenir en France afin de me marier avec toi, ma chère petite. Nous en avons déjà causé, et c'est ton vœu le plus cher ainsi qu'à moi, ouais. Ma chère petite Christiane. Je ne voudrais pas terminer cette lettre et oublier ton papa, ta maman et ta sœur Gilberte. Otis, aussi, tu voudras bien que cette présente les assure de mon inquiétude durable. Pour toi, ma Christiane adorée, reçois de celui qui, pour toi, restera toujours ce qu'il a été. Des affectueux baisers et plus douces caresses. Fritz. Ma chère Christiane, oh là là, mais si ton grand-père savait ça, que tu fricotes avec un Bosch. Fritz, en fait, ça s'appelle. Le pauvre vieux, lui qui est mort à Verdun, qui s'est sacrifié pour toi. Il doit se retourner dans sa tombe. Mais ma chère petite Christiane, tu perds rien pour attendre. Hein. On va lui dire au chef de maquis, hein, parce que lui, les traînées, les raclures, il sait s'en occuper. Traînées. Ah, tu sais que les traînées. Allez. Moi, j'en connais une qui va passer un sale quart d'heure. Hein. Moi aussi. Hein. Allez, on y va. Voilà. Bonhomme est arrêté le 8 juin 1944 à Auxerre pour avoir livré des renseignements à la Résistance. Il est fusillé le 9 août 1944 à Châtel-Gérard. De Habreux, Antonio, né en 1895. Bah bien, et toi? Ça va. Mais qu'est-ce que tu viens donc faire à la mairie? Bah, je vais chercher le papier pour le baptême de la petite dernière. Oh, d'accord. Bah, je t'ai dit, tu sais. Oui. La semaine dernière, on a fait le baptême. Oh, et... Vous connaissez la dernière? Oh, laquelle? Robert est revenu de captivité. C'est sa femme et ses enfants qui vont être contents. C'est pas sûr, hein, parce que sa femme, il paraît qu'elle l'a oublié depuis bien longtemps, le pauvre Robert, oui. Et dans les bras d'un beau soldat allemand. Tu peux arrêter de ragoter, Simone. Mais non, mais je veux parler d'une lettre que le maire de Villiers, Monsieur Marco, il vient de recevoir. Un courrier de la préfecture. Et alors? Il en reçoit tous les jours des lettres de maire. Tantôt, c'est un tel qui dénonce son voisin pour avoir collaboré, ou un tel pour s'être enrichi avec l'argent du parachutage. Voilà, on vit une drôle d'époque. Hein. Ah là là, vraiment. Hein. Pourtant, la libération, c'était drôlement joyeux avec toutes ces scènes de liesse. Oh, qu'est-ce qu'on a pu danser. Ouais, pas si joyeuse que ça, la libération. Eh bien, justement, cette lettre, elle parle de moment de la libération. Et c'est troublant. Quoi donc est troublant? Oh, pour faire simple, je vais vous la lire. J'ai bien fait de la recopier. Elle est courte. Vous allez voir ça. Nos services sont informés qu'il existe sur votre territoire de votre commune, au lieu dit Mont-Aigli, à 500 mètres à l'ouest du bourg, 7 corps sommairement enterrés. Au lieu dit sortie est du bourg, en bordure de la route du Moulin, 2 corps sommairement enterrés. Et enfin, au lieu dit Mont-Aigli, plusieurs corps du soldat allemand sommairement enterrés. Aussi, nous vous demandons de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder à l'exhumation des différents corps afin de les identifier et d'établir des actes de décès. Oh, en effet, que c'est troublant, voire choquant. Tous ces corps sommairement enterrés. Mais enfin, qui ça peut donc être ces malheureux, qui c'est qui a pu les tuer comme ça à la va-vite? À ton avis, Geneviève? Ah ben t'as déjà oublié les 4 longues années d'occupation, hein? Et que certains avaient des affinités avec les occupants, hein, voire plus. Mais il s'agit quand même de dépouilles humaines, ce n'est pas très charitable. Non, mais t'as vraiment oublié ces 4 années d'occupation, hein? Tes bondieuseries, là, elles ont plus cours aujourd'hui. Oh, Simone, si la baie des champs t'entendait. Oh,
La baie des champs. Si tu savais, si tu savais ce que je lui dis, moi, l'abbé. Oh mon Dieu, Seigneur! Pardonnez-la, mais c'est... elle n'a plus toute sa tête depuis que son fiancé a été fusillé. Oh, je t'interdis d'évoquer Marcel, hein. Et puis cesse de prier à tout bout de champ. Et n'empêche que ces histoires de corps enterrés à la sauvette, c'est troublant, non? Troublant, mais... qui s'explique, hein. Comment ça? Et t'as l'air drôlement sérieuse d'un seul coup. Ce sont des souvenirs que j'avais chassés de ma mémoire depuis longtemps, mais cette lettre-là m'y fait malheureusement penser. À quoi? Eh bien, je me souviens d'un tribunal improvisé, non légal, composé de résistants, enfin, c'est comme ça qu'ils se présentaient. Ils s'étaient installés à la mairie et là, des gens ont été jugés. De manière sommaire. Il était question, entre autres, de venger la mort de Marcel et d'épurer les collabos. Tous ont été condamnés à mort. Tous ont été exécutés, séance tonnante. Même les soldats en uniforme. Certains avaient même été torturés avant. Des femmes ont été marquées à vie avec des croix gammées sur les seins et les fesses avec des tisonniers chauffés à blanc. Et puis après, elles ont été tondues. Oh, enfin, mais qui a fait ça? Oh, mais je viens de te le dire, un tribunal improvisé. Ah ben oui, bon. Oh, mais peu importe. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un an, on vivait dans un climat de vengeance, hein. Et puis une année est passée, et la haine s'est estompée, au point de disparaître. Je me surprends même parfois à prier, et pourtant, vous savez que je ne suis pas croyante, et à prier pour qu'un jour naisse la réconciliation entre nos deux peuples. Que Dieu t'entende, Simone. Oh, Geneviève! Dieu ou pas, il faut espérer que ces corps soient exhumés, hein, enfin qu'ils puissent être identifiés et avoir une sépulture correcte. Non, mais la justice expéditive doit cesser. Non, mais personne ne peut s'arroger comme ça le droit de juger. Notre justice doit retrouver un fonctionnement légal. Hein. Non, mais Geneviève, c'est le... l'enjeu du rétablissement de notre démocratie. Que Dieu t'entende. Thank you.